Océarn, association sportive de plongée très présente sur la commune et que l'on rencontre tous les ans, notamment lors du parcours du cœur, a tenu son assemblée générale le 16 juin dernier à la salle Bernard Prézot. Une saison riche en événements pour le club entre 2008 et 2009 avec beaucoup d'activités et un renforcement important du nombre d'adhérents, preuve de la bonne vitalité de l'association. Wilfried Lestienne, le président, est dans l'ensemble satisfait des bilans moraux et financiers et des activités de cette assemblée. Cette année a permis entre autres au club de développer son site internet et de répondre aux demandes de manifestations extérieures. Le club remercia chaleureusement la municipalité représentée par Christian Leduc et Jean-François Caleta, maire adjoint, pour l'aide allouée durant l'année et surtout pour l'agrandissement des locaux. Des manifestations sont d'ores et déjà programmées pour la rentrée 2009-2010, foire de la plongée, participation au parcours du cœur et une journée décathlon. Le nombre de baptêmes de plongée est en forte augmentation. Il est la preuve d'éventuelles nouvelles inscriptions pour les années suivantes. Alors le club risque d'accueillir encore de nouveaux adhérents pour l'année prochaine. Afin de réaliser des baptêmes en peu de pourcents de plus, représentant 34 baptêmes. Des actions où effectivement je pense qu'on était animé d'une petite. On en a fait 123 sans compter le voyage sur Estartique. Même qu'en septembre.